Salut à tous, c'est Clorgan et Sonia. Coucou. Alors, on avait fait déjà une petite vidéo sur Dungeon Defenders, mais on était vraiment, comment dire... Pathétique. Ouais, pathétique, voilà. Alors maintenant, on va vous montrer un petit peu notre amélioration. Alors maintenant, on est dans la vague 21 du mode hardcore, du mode survie et aliéné, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est un peu plus fort dans le mode un peu plus puissant, etc., etc. On n'est pas encore un nightmare, c'est-à-dire que c'est c'est encore supérieur au fou, mais il faut acheter le contenu, tout ça. Pour le moment, on l'a pas, mais on va bientôt l'avoir, vous inquiétez pas. Donc, on est à la vague 21, il reste plus que quelques vagues seulement pour réussir, donc on va faire la vidéo jusqu'au bout pour voir un petit peu si on résiste. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc tout ça c'est mes défenses sauf les ogres. Les ogres sont mis par le summoner qui est au milieu, qui s'appelle Lord. Et mes tourelles sont assez différentes. Et bien évidemment Sonia qui a une nouvelle arme. Et bien parce qu'en fait j'ai pas réfléchi, je suis pas mis derrière l'écran. Enfin, du coup ben, je vais mettre la caméra pour regarder les joueurs. De toute façon il n'y a plus les joueurs qui sont efficaces. On est avec deux autres joueurs aussi. Ouais, le problème c'est que ces trucs là qui font pas que c'est des êtres noirs qui s'attaquent à toi, qui donnent des billes, des hommes, des minots. Sur mon côté. Prochaine vague je vais faire attention hein, parce que du coup j'ai lancé la vidéo et puis j'ai plus réfléchi, j'ai plus fait attention à ce que tenu la vague des mecs. J'ai très tenu. Donc le mode hardcore aussi, c'est là où il est hardcore, hein. C'est que quand tu meurs, là tu ne peux plus revenir avant la fin de la vague. J'imagine si tu meurs et tu reviens plus, c'est ce qui est horrible. Il reste mes joueurs. Il reste tout le monde. À part moi qui est mort. J'ai fait le con. Décidément, hein, chaque fois qu'on fait une vidéo. Parce qu'apparemment c'est notre fonction. On va dépasser la moitié. Et je tiens à préciser aussi que le quartier Magus, donc là où on est, pour ceux qui jouent à Dungeon Defender, c'est un endroit idéal apparemment pour gagner de la mana.
sur la malade qui permet d'acheter des armes. Hier on a fait un petit peu le tour des shops, des magasins du joueur. C'était assez impressionnant le prix de certaines choses. Et heureusement qu'on est allé à Nightmare. Alors je tiens à remercier dans cette vidéo Paradox. Je reconnaîtra. Parce que c'est grâce à lui qu'on a eu la chance d'être dans le mode Nightmare qu'on a essayé avec lui. Il nous a aussi, il a passé une super arme. Il nous a aidé aussi pour Sonia. Donc merci beaucoup Paradox. C'est un bel c'est très sympathique. À la vague. C'est vrai que depuis qu'il nous a aidé, on s'amuse bien, hein, parce qu'avant c'était vraiment galère. Très galère. Bon, évidemment, je crois que la prochaine vidéo qu'on fera, je serai quand on aura le magicien, parce que le magicien est très... parce qu'un magicien, ça peut être très bonheur. C'est celui qui invoque des monstres pour les codes de les monstres qui ne l'a pas. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est pratique, il soigne, il a une vie RTS, c'est-à-dire qu'il y a un coup comme ça, c'est... Voilà. C'est assez marrant. Tout le pouvoir. Si tu veux améliorer ses pouvoirs, je crois qu'on a une dame. Une dame. Je vais voir. Il y a deux. Alors, laquelle ? Là, il y en a une là. Et je vais revivre pour la bague de 22. Il n'y a plus rien à améliorer. Si, ça va. Je n'ai pas assez. Bon, je peux gagner. Hein. Ouais. Alors. Ah oui aussi on a beaucoup évolué depuis moi je suis niveau 74 pardon. Je sais pas, 19 millions. C'est pas du tout que t'améliores ça, mais on a pas assez. Voilà. Donc on va gagner normalement à la vague 22. Tout en bas 750 mais c'est déjà ça. Cette fois, je ne mourrai pas cette fois. C'est une tête. Il y a un dragon. Oh là là. Il a une bouche. Bon, il est bien.
tout cas, c'est vraiment plaisant de pouvoir se déplacer très vite dans la sur la map. Grâce à l'objet. Enfin, l'objet qui va passer là, le cercle. C'est un cercle qui donne pas mal. Surtout au niveau des défenses. Je vais le faire lui. À ne faire que si vous avez une petite arme. On voit rien, c'est la guerre. Ah. C'est que il y a des unités, enfin des points de défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une tourelle à l'infini, il y a 90 points. Cette tourelle représente, il y a, par exemple, mon Goku qui fait un seul point, il y a des tourelles qui font 4 points, etc. etc. Et bien, avec lui, si vous voulez, ben, vous pouvez mettre des monstres qui vont être avec leur propre point de défense, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des défenses top joueur, plus le seul. Et ce qui fait que ça fait double défense. Je trouve ça vraiment cheaté et bien évidemment c'est un personnage indispensable si vous voulez avancer vraiment dans le jeu. Ah, c'est pour tuer le seigneur. Pourtant il a des capacités pour déjà pour être invisible, pour être visible la map et tout ça. Mais on fera une vidéo pour présenter un petit peu le seigneur. Il faut l'aspect bien évidemment, 3€ actuellement. Alors les mains sont de plus en plus rapides, je crois que les mains de mes joueurs sont de plus en plus puissants. Ouais, sinon c'est comment ouais. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais je crois qu'au moment ça s'arrête les mains. C'est surtout plus rapide et plus puissant. Alors Anagma c'était marrant parce que bon il y a des nouveaux monstres aussi. Il y avait des hélicoptères avec des ogres, enfin c'est marrant. Là, on est là, des hélicoptères pour transporter les ogres, pour pouvoir transporter les ogres. Ouais. Et il y a même des araignées. Et les araignées, elles vous foutent un petit piège, ce qui fait que vous ne pouvez plus attaquer, vous êtes ralenti. Et elle peut même le faire sur les toiles. De monstre, un monstre, c'est bon. Non, il n'y a rien à mourir. Non. Par contre, on peut faire. Pas chez moi. Voilà. Et on continue. Alors. Une autre qui passe. Très bruyante. Savoir que les pets, enfin les petites bestioles, montent de niveau toutes seules. Bon, apparemment là, il n'y a pas eu de pets. Il n'a rien invoqué d'autre. Non. Je ne crois pas. Tout est au max, tout est bon. Et c'est parti. Ah oui, je vais oublier. C'est mon passé. Non, je suis mort, putain.
On est mal barré. Non. Pourquoi je suis tombé? C'est bien c'est ça. Le jeu de mon côté il tombe. Faut vraiment que je fasse gaffe, j'y pense, faut que j'y pense. Avoir la balle, c'est possible. Thank you.
pense qu'on peut bien jouer à Magma. Au moins on peut finir ce combat. Plus que 9 monstres. Bon, jusqu'à présent, je ne suis jamais arrivé à une vague aussi. Et ça, parti, le frère. Allez, c'est parti pour la vague 22. Des fois, je me cache. Voilà. Et je reste ici. Bon, alors, toujours rien. Personnage de défense est dépassé. Ah bon? Oui. Ah. Si les effets se déplacent, c'est sûr. Regarde, c'est... tout ça, c'est de la mana. mana. Oui, il faut que je me cache. Je vais rester sur l'arcane. Je vais lâcher la mana. Ouais. Moi je vais la garder parce qu'il n'y en a pas. Je vais regarder la moitié. Ouais. Bon. Combien on a de mana? 22 millions. C'est parti. C'est pas que les gouvernements, c'est pas que les ninjas sont pas là. Bien sûr, c'est les premiers symboles. Ah, c'est une position. Thank you.
Allez, on est presque à la moitié. Un petit coup. C'est pas qu'il est puissant, mais c'est qu'en fait il est sorti un petit peu de la défense. Donc du coup, dès qu'il est poussé, bah, c'est pas ça. Ça va faire du mal. Ok. Il y a paradoxe qui nous fait un oiseau, il ferait mon dragon par là. Tu m'en mieux, hein? Ouais, peut-être. Je vais aller aussi dans la mer. Bon, bon. C'est difficile à améliorer. Hein? C'est un niveau. Pareil. Guérison, non, rien n'a été touché chez moi. Allez, c'est parti pour la dernière vague. Sonia et Clark Game jusqu'au bout. Alors moi je vais lâcher, tu veux, de la manière où tu peux. Et moi je vais me cacher. Plus que 43 secondes. On a gagné, on a 24 millions de mana, on gagne 2 millions à chaque vague. En Nightmare, on gagne 12 millions à chaque vague. Hein. C'est mieux, c'est clair, mais bon. Là au moins, on montre un petit peu qu'on a un petit peu évolué, on n'a pas trop besoin d'autres joueurs et tout ça. Quoi. Pour rentrer dans la cour des grands, c'est ça. Bon, si on réussit la vague 25, ça sera déjà pas mal. Quel con, on a pris sur le fisto. C'est pas grave. Hop là. Et on a gagné.
c'est... Là, ils sont vraiment plus excités. Impressionnant le fait de l'évolution qu'on a eu, parce que vraiment au début on faisait chier, on n'arrivait à rien, et puis là maintenant on arrive à faire une survie avec une vague.
Je te demande, et on a réussi. Pas terminé. Victoire. On a gagné une girafe. Je crois que je la mérite assez. Allez, niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant? C'est pour gagner de la mana, c'est tout. Il n'y a rien. On va revenir. Non, mais il y a tous les objets là. Ils sont dans la place. Et on doit les attaquer. Hein? Non, 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 c'est bon, on a fini là. On a tout fini. Voilà, donc c'était Clorgen et Sonia sur. La vague 21-25 de Dungeon Defenders. La prochaine fois, on vous montrera le Nightmare. Voilà. Allez, amusez-vous bien sur les jeux, sur Dungeon Defenders et tous les autres. À la prochaine. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Évidemment. Un gros bisou. Gros bisou.